Hey, salut Laura, c'est Oli. J'étais justement en train d'écouter une des chansons préférées de Laurent. Et c'est d'ailleurs à cause de lui que je suis ici aujourd'hui. Car tu le sais aussi bien que moi, ben, Laurent est un petit peu fou. Et quand il veut quelque chose, il ferait tout pour l'avoir. Donc je voulais te demander, et c'est ce qu'il veut, si tu veux bien devenir sa femme. Avant de donner ta réponse, on a demandé à toutes les personnes de votre entourage, votre famille, vos amis, les collègues, ce qu'ils pensent de cette possible future union. Donc je te laisse désormais regarder leur avis. Hey Laura, c'est de nouveau moi. Ben voilà, maintenant tu as vu les réponses de tout votre entourage. Elles sont toutes positives. Il va falloir que toi, enfin, tu choisisses. J'espère que cette réponse sera positive car j'ai enfin envie de t'appeler belle-sœur officiellement. Ça fait un petit temps que je me permets de le faire, mais j'ai envie que ce soit officialisé, que tu deviennes la femme de mon frère et que vous soyez encore heureux comme vous l'êtes depuis aujourd'hui 10 ans. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. My love, there's only you in my life, the only
nothing less right. Comment on peut refuser? C'est pas possible. L'air franc, gentil, tous les efforts qu'il fait quand même. Hein, c'est absolument. C'est quand même absolument. Beaucoup de travail. Bon, de toute façon, je sais que ton choix est déjà fait. Bon, il s'inquiète un peu, c'est normal. Mais bon, moi, je m'inquiète pas beaucoup. Je t'embrasse. Il y a un autre qui bouge comme ça, on dirait un frère d'Ardenne. Regarde. Vous savez pourquoi les frères d'Ardenne sont deux? Il y en a un qui tient la caméra, comme l'autre ici. Et le deuxième, il chatouille. Ça fait ça. Ah oui, ah, rigolez. Popone, toi bien qui t'aime bien, le garçon, dis, allez, quoi. Donc, mais je pense qu'il faut dire quelque chose de bien précis. Hein. Ah, dis-moi quoi? Dis oui. Ah, ben moi je dis oui. Non, c'est il veut m'épouser ce qu'on a. Poupoun, fais quelque chose, il veut m'épouser moi, qu'est-ce que tu veux? Hey, salut, c'est James Hino. Hey, c'est James Hino des stagiaires. Et toi, c'est qui? Guillaume. C'est Guillaume des stagiaires. Dis, s'il te plaît, pour une fois, dis-lui non. Non, dis non. Non, oui, allez, bon, exceptionnellement, dis-lui oui, oui, je sais bien pour cette fois. Je préfère ça. Voilà. Félicitations. Allez, au revoir, hein. Salut Laurent, moi je suis Eno, je veux des standards, s'il te plaît. Dis oui à Laurent. Salut Laurent, c'est Emilie. Alors écoute, j'ai un seul conseil à te donner et j'espère vraiment, vraiment, vraiment que tu vas le suivre. Dis oui à Laurent, dis oui. Bon, je vais être très clair, on a eu Boule et Bill, on a eu Stone et Chardin. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas Laurent et Laura. Alors Laura, moi qui suis une jeune mariée, je peux te dire que le 12 septembre était un des plus beaux jours de ma vie. Donc je te conseille vraiment de dire oui et je te souhaite d'avance beaucoup de bonheur. Oui, tu t'apprêtes à faire la connerie, mais non, non. Pourquoi Louis? Regarde, j'ai le plus bel écharpe. Quoi, c'est vrai? Bah non, c'est relatif, hein. Il a plus de cheveux, il a juste peut-être 10-15 mais cheveux. Mais il est plus gros que moi! Mais non, il est pas plus gros, rien à voir. Et puis c'est agréable, hein. On peut pas dire le contraire. Non, mais il a l'air tout gentil, il a l'air tout mignon, donc vas-y, dis-lui oui, dis-lui oui! Laura, un truc de fou qui va tomber, il va te demander en mariage. Une chose, faut dire oui, absolument. Oui, parce que tu vas être super heureuse. Ce mec, il est terrible, hein. C'est vrai. C'est je génial, trouve. C'est vrai. Tes qualités, c'est quoi? Mes qualités, ouais. Je suis extrêmement généreux, ouais. Et râleur. Ah, bah écoute, j'ai envie de te dire bonne chance, et surtout dis oui, et puis surtout plein de bonheur à tous les deux. Plein de bonheur, vraiment. Love.